Sibulka. Sibulka, le temps qu'il rattrape la rondelle, envoie ça au but, ça génère un retour, là. Si Poirier, le joueur relax, celle-là. Annette reprend. S'amène devant Robida, va s'en défaire. Annette, une feinte. Un tir bloqué par Boileau. Ça a ouvert le chemin complètement. Regardez bien ça, c'était spécial. Mais je suis d'accord qu'on laisse le tir. Derrière le but, les Olympiques contrôlent. Béliveau est franchement ouvert. Il faudra faire attention. Il est porte arrière. S'amène. Et finalement, lever les yeux, rate sa passe. Turgeon fait la même chose. Il n'y a pas grand-chance que ça fonctionne, ce dégagement. Attention, Annette. Et là, le but ouvert. Et voilà! Ah! Qu'on va s'en vouloir du côté des Foreurs. Tout ça a commencé avec un lob inoffensif. Le joueur de l'attaque des Olympiques était au courant. Il a devancé un joueur des Foreurs. On a cafouillé du côté de la sortie de zone. Et ça a permis ce revirement-là. C'est Demers qui avait une occasion, regardez bien ici, de sortir cette rondelle-là. Beau travail des Olympiques qui, en utilisant le corps, et on a demeuré avec la possession de la rondelle. Et on a vu... Ouais. Pire que c'était, ça a été serré un bout de temps. Paquet. Envoie ça vers Michel. Michel, c'était pour le capitaine. Ça va à la Robida. Rondelle sautillante. Reprend à Gauthier. Et Paquet était complètement ouvert de l'autre côté. Robida se retourne. Aïe, aïe, aïe. Et Michel. Ah, Michel. Un partout. Regardez la reprise. Rondelle sautillante. Le capitaine a tenté de contourner. Il y avait du trafic. La rondelle est arrivée sur le bâton de Michel. C'était pas évident de mettre ça dans la lucarne. Il l'a fait. Regardez bien. Est-ce que c'est beau? Rondelle sautillante. Un genou au sol. Et on l'a... Béliveau. C'était vers Malix Landry. Ils ont plutôt glissé à Dean. C'est un bon trio. Dean, Landry et Véro. Oh, attention, on coupe un jeu. Béliveau s'amène. Un tir, c'est bloqué. Jean-Bierre est là. Ça n'a pas de bon sens. Vous le voyez peut-être pas là, avec le plan rapproché à l'écran. Mais les taloches... Montage égal. Gagné en principe par Valdor, mais ça glisse directement sur le poteau. Rondelle libre. Et c'était un plomb, ça, de Cole Cormier. Ça y était. Et pourtant, il n'y a personne qui gênait son travail. Un franc sur le poteau. Un tir de qualité. Les mêmes belligérants vont le forcer à prendre une décision hâtive. Ouais. Le Turgeon s'est retrouvé à l'endroit où le dos perd son nom. Grimace un peu, va aller changer. Oh, remise pour Béliveau, il est seul. C'est le but! Et je sais pas si c'est un mauvais changement ou quoi, mais on a complètement oublié Béliveau dans l'enclave. Et il y en a un de content ici, c'est le commentateur des Olympiques de Gatineau. On voit le monsieur comme étant bien satisfait de cette dernière séquence. Et on peut le comprendre. Oh. Et tu l'as dit, c'est pas beau quand on regarde ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que Béliveau a eu tout ce temps-là pour placer un tir parfait à la droite du gardien? Alors qu'il vient reprendre, il a Doucet sur son corps, remise devant, les Foreurs vont peut-être décamper. Michel pousse pour lui-même, c'était un 2 contre 1. Voilà. Michel avec Robida. Michel! C'est Robida! Justin Robida! C'est l'égalité! Les Foreurs qui refusent de baisser les bras! Le capitaine qui réplique, les Foreurs qui venaient d'être surpris en début de période, et voilà qu'on profite d'un 2 contre 1. Un tir à ras la glace sur la jambière extérieure. On le dit, dès le niveau à tombe, que c'est la façon de faire. Et voilà que ça paye. Un bon retour. Quelle échappée, celle-là. Dean, il reprend. Habile en contrôle de rondelle. Ça va aller à Sibulka. Là, par contre, c'est fait enlever la rondelle. Tire de Landry, ça rate la cible de peu. Retour. Devant le filet, Dean est contre. Et les arbitres en ont raté une grosse et ça coûte cher aux Foreurs. Oui, la foule va rouspéter parce qu'on vous le disait au préalable, il y a eu une tentative. On a fait trébucher un joueur, on ne le verra pas sur cette reprise-là. Là, ce qu'on peut analyser, si on laisse faire cette mauvaise appel qui n'est jamais venue de la part des Zébrés, ben, en fait, c'est qu'on aurait peut-être pu faire un dégagement à un certain moment donné. On avait une opportunité juste avant cette séquence-là. Quelques jeunes joueurs, c'est les Foreurs. Ça va à Provo. Il laisse pour Bauduc qui appuie l'attaque. Provo. À Turgeon, oh, l'arrêt de Poirier à bout portant. Le gardien là, en a gardé son club là, dans le match d'une certaine façon. Oh, wow! En obstruction sur Michaud, tu fais bien de le préciser. Michel, une petite soulevée pour Robida. 3 contre 2. Robida pour Doucet. Vers Michaud, Michaud. À Robida, il a été généreux, Michaud, là-dessus. McCallum pour Michel. Michel a tiré. Voilà! Et voilà! Alexandre Doucet! 3-3 la marque! Doucet redirige! Regardez la séquence!
McAllen qui va d'une belle passe et ça a frappé presque le poteau. On est allé du côté intérieur alors qu'on voit la dernière chance ratée par Michaud. Regardez cette passe extraordinaire de Michel, habilement redirigée par celle de Allard. Béliveau dans sa zone pressée par Demers. Oh, encore une fois, il y avait obstruction là-dessus. Et Dupuis est allé bardasser Annette. Dupuis va se faire quelques copains dans le centre avec Nico Eagle. Allard. Un tir, et lui! Oh, quel tir de Tristan Allard! C'est parfait, partie supérieure. Eh bien, à un moment donné, il faudrait résister un peu plus. On va voir la séquence. Aïe, 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 pas le temps de festoyer trop, trop. Et encore une fois, on a laissé beaucoup de glace à l'adversaire. Et rapidement, les Olympiques reprennent les devants. Et c'est pas une bonne remise, ça, de Provo. Et c'est encore une fois... On ne trouvera pas personne, si ce n'est qu'une zone centrale. Doucet met de la pression sur l'adversaire. Il y a des changements chez les Foreurs, mais rapidement, ça prendra un quatrième joueur. Allez, allez! C'est de Luneau, attention, retour de but! Annette qui marque et un autre changement laborieux chez les Foreurs. Les changements sont donc bien difficiles. Vous allez voir à la reprise, il y a trois chandails verts. Le quatrième s'en vient, là. Absolument. Là, il n'est pas dans l'écran. Il arrive. Il est là, trop tard. Et c'était une glissade, hein? C'était pas un gros coup de patin pour venir rejoindre, là. Et pendant ce temps-là, ben, l'homme sur la galerie de presse... Oh, ça a été balayé là, devant le filet. Il a bien fait tirer, là. Absolument. Et McCallum, ça va aller à Michel. Un peu de chance, Michel. À Robida. Hey, ça a été bloqué, je pense, par Luno. Jeu de puissance. Tu gagnes, tu es déjà installé. Tu perds, ben, elle s'en va à l'autre bout souvent. Puis ça vient de coûter 15 secondes. Et vous l'avez vu, c'était extérieur du filet. Et Michel conserve chez l'ennemi. Une soulevée pour Robida. Les Foreurs sont installés. Le capitaine. Tricotte remet devant, c'était audacieux encore. Et voilà! Doucet! Encore! Alexandre Doucet! 5-4! Eh bien, regardez l'exécution. Puis Thomas Pelletier, puis oui. C'est probablement plus un Val-d'Or présentement. Certains pourraient dire que Gatineau ont peut-être des absents de taille, mais c'est pas tant le cas. Ils ont pas... Allez, Provo s'amène! Une feinte! Oh! Ce que Demers a raté comme chance! Dernière chance. Hey. On a bien fait. La rondelle, est-ce qu'elle était vive à la défense de Demers? Je crois que oui. Donc, rondelle sautillante, on va mieux le voir encore. Merci à la reprise. Oui, c'était sautillant. Oh, ça mène juste poursuivre. Dean s'amène. Laisse à Luneau. Oh! Luneau se fait enlever la rondelle par Michaud. Allez, Michaud, tu le mérites. Et Michaud s'échappe. Michaud! Et c'est l'arrêt du gardien. Gauthier va envoyer ça. J'allais dire jusque dans le fond, ça ne s'est pas rendu. Dommage, ça crée le surnom. Alors, on met devant. Oh! Et l'arrêt de Boileau au bout de la jambière. Il est mon héros obscur ce soir, alors qu'on voit tout qu'un arrêt de Boileau. Regardez ça. Ça aurait fait mal avec une quarantaine de secondes à faire. Hey, les choses en dernière séquence, il a quand même réussi à pas se faire rendre le mois prochain. T'as raison. C'est pas rien, là. Surgeon voit sa séquence interceptée. Oh, attention, là-dessus, belle remise jusqu'à Cormier. Ah! Oh, voilà. Tir de Cormier. Tir parfait. Surprend Boileau, partie supérieure. Oh, et au banc des Foreurs, on a la tête basse un peu. Ouais, bien, c'est une douche d'eau froide parce que, OK, le tir, vous allez le voir, il est solide. C'est un tir voilé, comprenez-le. C'est arrivé comme un missile du côté du gant. Et Boileau, qui venait de sauver son équipe, là, vient de paraître faible. Mais je me permets d'aller à sa défense, là. Ouais. Est-ce qu'il est habile pour tricoter? Moi, le hors-jeu pourra être contesté si jamais il y a but, là. On a flirté avec la bleue, hein. Dean un tir complètement raté. Ça crée une chance de compter le but. On va contester. Et c'est rentré. Aïe, aïe, aïe. Un but chanceux. Des Ruisseaux vient de faire signe à Provo. Viens tomber, puis ça presse. Je ne sais pas pourquoi il a dit ça si rapidement. Écoute, il y a un brin de chance là-dedans. Là. Et le gars, Dean, rate complètement son lancer. Et moi, j'ai vu leur jeu dans le sens, François, à la ligne bleue. Là, je reviens un peu sur... ce qui s'était passé. Tu viens? Sauf que là, Véro est insistant. McCallum s'amène dans le tas aussi. Ça va aller point d'appui à Luneau. Un tir passe. Attention, retour. Dean qu'on avait complètement laissé seul. En fin de séquence chez les Foreurs. Enfin, il y avait juste un go ou deux qui avait pu aller changer. Ça fait 8-4. Oui, c'est Dean qui connaît tout un match, celui-là. Il vient d'accumuler là, un troisième point, vous allez dire, sur 8. Ben, on a bien balancé les efforts ce soir. Oui, il y a eu de l'action de la part de Véro. Il y a eu de l'action de la part du numéro 9 que j'ai peine à prononcer. Annette. Merci.
Alors, on l'a vu, une première arrêt, ah, les défenses. Troisième période, les Foreurs ont 42 lancés. Là, il y a David Doucet qui va aller frapper une fois un adversaire, peut-être une deuxième. Il va glisser Alexandre Guy, remet devant le but. Et voilà. Doucet, partie supérieure, bien alimentée par Guy. Ça ne changera pas, Martin, le résultat du match. Mais tu peux bâtir sur des petites choses comme ça. Oui, ben on l'attendait, ce but-là, là, de la part d'une autre unité. Il est arrivé tardivement, mais il fait du bien. Effectivement, il est, c'est une symbolique à ce stade-ci du match. Et ça donne le goût peut-être pour demain. Ça donne un peu de confiance. Tu sais, Guy, c'est pas compliqué. Il y a...